Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation épigénétique dans laquelle je vais vous présenter le métabolisme des lipides et sucres, donc le métabolisme énergétique. Ça va être en deux parties et la première partie de cette capsule vous apportera une compréhension des fonctions métabolites produites par les mitochondries qui sont au cœur du dysfonctionnement métabolique. Puis en deuxième partie, on va regarder en détail les gènes clés du métabolisme des lipides et sucres. Donc, le star de cette première partie va être les mitochondries et les fonctionnements mitochondriaux qui sont très importants pour le métabolisme des lipides et sucres. Les mitochondries, donc les usines de production d'énergie. Les mitochondries sont les petits organites à l'intérieur des cellules qui sont responsables de la production d'énergie en forme de ATP. Les mitochondries ont également un rôle très important dans la signalisation intérieure dans les cellules, ainsi que la lecture du génome et la régularisation de l'apoptose et de l'immunité, comme on va voir tout à l'heure. Leur capacité, leur taille et leur quantité sont très importants pour l'efficacité de la production d'énergie. Et tout ça peut être diminué par l'obésité, par avoir trop de calories, l'excès en tissu adipeux, également par le manque de sommeil, de repos ou même d'activité physique, et aussi par toutes les formes de stress. Les mitochondries, pour qu'elles puissent produire l'énergie, ont besoin de l'alimentation. C'est pour ça qu'on mange. Donc, les mitochondries peuvent utiliser des protéines, des glucides et des lipides, donc les acides gras, comme une source d'énergie. En préférence, elles utilisent des glucides et des lipides. Les protéines sont plutôt pour donner les matières premières, pour donner les métabolites et les cofacteurs très importants pour tous ces cycles-là qui passent à l'intérieur des mitochondries dans la production d'énergie. Les protéines peuvent aussi être utilisées comme une source d'énergie en les transformant ou convertissant en glucides. Mais ça, ce n'est pas très souhaité. C'est seulement dans les cas où il n'y a pas assez de glucides et les mitochondries n'arrivent pas à utiliser les acides gras efficacement comme une source d'énergie, on peut commanger ou le corps peut commencer manger entre guillemets le masse musculaire et produire les glucides à la place de ça, mais c'est pas très souhaité. Donc la façon de laquelle les mitochondries peuvent utiliser ces aliments comme une source d'énergie détermine l'efficacité de la production d'énergie et la capacité des mitochondries. La pensée conventionnelle était que les mitochondries préfèrent à utiliser les glucides comme une source d'énergie. Mais en fait, maintenant, on connaît mieux en mieux qu'en fait, les acides gras peuvent être utilisés comme une source d'énergie par un processus qui s'appelle bêta-oxydation, qui est là dans ce schéma, qui est également une façon très efficace de produire l'énergie. Et en fait, le cœur, quand il a les glucides et des lipides disponibles, préfère à utiliser des lipides comme une source d'énergie. Quand les mitochondries produisent l'énergie, il y a évidemment l'énergie, mais il y a aussi toujours le déchet. Un petit peu comme une voiture qui a un moteur qui fume. C'est normal que ça fume un petit peu, mais quand ça fume beaucoup, ça peut affaiblir la capacité mitochondriale et sa façon de produire l'énergie. Et il y a les moments quand il y a plus de fume dans le corps, quand on parle des mitochondries, c'est les espèces réactives à l'oxygène, en anglais on parle de ROS, qui sont en forme des prooxydants qui en fait qui peuvent endommager les mitochondries, endommager les cellules et évidemment augmenter le taux de stress oxydatif dans l'organisme parce que quand il y a beaucoup de pro-oxydants par rapport aux antioxydants, il y a le stress oxydatif qui se déclenche. Et ça peut déclencher l'inflammation comme on a vu dans les capsules précédentes. Les raisons pour lesquelles on peut avoir trop de ROS, trop de pro-oxydants, trop des espèces réactives à oxygène, c'est souvent lié au régime. Et ça, on va regarder en détail dans la deuxième partie quand on regarde le fonctionnement génétique et les faiblesses génétiques qui nous rendent plus ou moins sensibles d'avoir les problèmes de métabolisme des lipides et sucres et les problèmes dans la capacité des mitochondries
à les utiliser comme une source d'énergie. Donc, on parle beaucoup de régime. Quand il y a trop de calories, trop de fructose, ou alcool ou trop de sucre, ça va nous amener facilement dans une situation d'hyperglycémie qui nous aussi amène vers hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. Donc, tout ça, on va parler beaucoup plus dans la partie 2 et aussi dans les autres capsules et webinaires qu'on va faire prochainement. Mais en fait, on commence à comprendre maintenant que c'est vraiment le dysfonctionnement dans la sécrétion de l'insuline qui peut être dans le cœur de dysfonctionnement mitochondrial. Parce que ça va nous amener vers le glycotoxicité, donc les AGE, les sucres endommagés, aussi le lipotoxicité comme les LPS, lipopolysaccharides et les autres lipides oxydés qui peuvent être endommagés, les mitochondries et les cellules. Ça peut nous déclencher l'inflammation et le stress oxydatif. Et dans l'autre côté, ce n'est pas l'alimentaire, mais on a plus en plus des toxiques environnementaux. Ça peut être les médicaments, ça peut être la pollution, ça peut être les perturbateurs endocriniens qui aussi endommagent nos mitochondries. Après, on a les carences en micronutriments. On en a plus en plus. C'est estimé qu'il y a quasiment 70% des gens qui sont en carence en magnésium, qui est quand même un micronutriment très important pour le métabolisme énergétique. Après, il y a l'hypoxie aussi, donc la respiration. Il faudrait reapprendre de se bien respirer, bien aérer aussi au niveau cellulaire. Et là, ça nous amène dans le cercle vicieux. Donc, en fait, on a les mitochondries qui produisent toujours un petit peu de stress oxydatif. S'il y en a trop, ça va diminuer la capacité mitochondriale, donc capacité à produire d'énergie, et en fait, ça crée encore le plus de stress oxydatif. Donc, on entre vraiment dans le cercle vicieux qui va nous amener, comme on voit ici, ça commence à endommager les protéines, endommager les sucres, les glucides, endommager les lipides, et puis endommager l'ADN. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir dans l'organisme. Donc, le dysfonctionnement des mitochondries. Maintenant, dans la médecine fonctionnelle, on dit que c'est vraiment dans le cœur des maladies occidentales. On estime même que l'espérance de vie, maintenant, c'est environ 120 ans. Et c'est 120 ans parce que, après les études, on a vu que les mitochondries peuvent nous amener jusqu'à là. Donc, c'est vraiment l'efficacité, la santé, la capacité mitochondriale qui nous détermine notre santé et notre bien-être. Et là, dans ce schéma, on voit qu'est-ce qui se passe quand on a un mitochondrie dysfonctionnel. Donc, on a une déficience de la phosphorylation oxydative, donc la capacité à produire l'énergie. On a aussi une capacité réduite de produire l'énergie par la bêta-oxydation. Donc, les mitochondries n'arrivent pas tellement bien à métaboliser des lipides et les utiliser comme une source d'énergie. Ça va augmenter les ROS, donc les pro-oxydants. Donc, ça va créer le stress oxydatif. Ça va nous emmener vers la résistance à l'insuline et ça va aussi perturber la réponse immunitaire. Et comme on a vu tout à l'heure, les mitochondries sont très importantes dans la signalisation de l'immunité et quand il y a une inflammation, les mitochondries sont les premiers qui sont impactés et qui doivent décider si on continue à produire l'énergie ou si il faut donner un signal, l'apoptose. Et c'est pour ça que quand on est malade, quand il y a une inflammation quelque part, on se sent fatigué parce que les mitochondries ne puissent plus produire l'énergie très efficacement. Dernièrement, il y a l'altération génétique. Donc, les mitochondries, ils sont leurs propres gènes à eux, mais aussi le dysfonctionnement mitochondrial va nous amener dans une altération l'épigénétique, donc l'altération dans la lecture des gènes, justement les gènes du stress oxydatif, les gènes, en fait les gènes qui gèrent la production des antioxydants, les gènes qui gèrent
la réaction d'immunité et, le plus important, les gènes qui gèrent le métabolisme des lipides et sucres, donc la production d'énergie. Et ça va nous emmener ici, je ne vais pas vous lire la liste, mais vers toutes les maladies occidentales. Et dans le cœur, c'est aussi le vieillissement prématuré qui est en fait le premier facteur qui explique les maladies occidentales. On vieillit trop vite. Donc, maintenant, les mitochondries sont, et surtout le dysfonctionnement des mitochondries, est très lié à la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline qui est la nouvelle pandémie mondiale et qui est vraiment dans le cœur dans quasiment toutes les maladies occidentales. Pas toutes, mais beaucoup quand même. Donc, c'est une nouvelle approche de la résistance à l'insuline qui explique qu'en fait, ça peut être le dysfonctionnement de mitochondries qui nous amène vers la résistance à l'insuline. Et là, c'est un schéma qui explique comment ça se passe. Donc, le dysfonctionnement mitochondrial causé par le stress oxydatif, l'alimentation, la vie sédentaire, les toxines environnementales ou autres, va augmenter la production de ROS, donc en fait les prooxydants, et dans le même temps, augmenter l'accumulation des lipides et ses métabolites, comme les lipides peroxydases, l'oxydation des lipides, qui va aussi être accumulé, les lipides vont être accumulés aussi parce qu'un gène très important qui s'appelle PPARC-C11, qu'on va regarder beaucoup en détail dans la partie 2, qui va être affaibli à cause de ce dysfonctionnement de mitochondrial et qui va aussi affaiblir la capacité des mitochondries à utiliser des lipides par le processus de la bêta-oxydation comme une source d'énergie. Et tout ça va perturber la signalisation intracellulaire de l'insuline. Et là, on n'est pas en égalité, parce que là, il y a beaucoup de gènes du métabolisme des lipides et sucres qui jouent un rôle important dans cette signalisation de l'insuline et la sécrétion de l'insuline. Mais en tout cas, ça peut être le dysfonctionnement mitochondrial qui nous amène dans cette perturbation de la signalisation de l'insuline, qui nous amène vers la résistance à l'insuline, qui est souvent liée à l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie. Là, un autre schéma qui regarde la même chose, mais d'un autre point de vue, peut-être un petit peu plus traditionnel, qui explique qu'en fait, dans le cœur de l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline, il y a tout d'abord il y a cette même signalisation de l'insuline qui est perturbée, mais il y a les gènes, comme on va voir tout à l'heure en détail, qui nous rendent plus ou moins faibles en face de la sécrétion de l'insuline et très sensibles à l'insuline, et aussi dans notre capacité mitochondriale à utiliser des lipides et des sucres comme une source d'énergie. On a les gènes, par exemple, qui nous rendent plus sensibles de stocker des lipides que les utiliser comme une source d'énergie. Et dans l'autre côté, il y a l'alimentation. On a beaucoup trop de l'alimentation, on en a trop à manger maintenant. Nos gènes ne sont pas faits pour l'abondance, ils sont plutôt faits pour la famine, comme on va voir tout à l'heure. Donc tout ça joue un rôle très important qui perturbe cette signalisation de l'insuline qui nous amène vers l'hyperinsulinémie et hyperglycémie. Et enfin, la résistance à l'insuline qui est dans le cœur dans quasiment toutes les maladies occidentales. Les syndromes métaboliques, l'obésité, diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies comportementales et les cancers. Et dernièrement, ce que je voulais vous montrer dans ce schéma, c'est qu'il y a aussi la programmation foétale, tout ce qui se passe avant qu'on soit né. Et ça, c'est les facteurs épigénétiques qui vont être beaucoup modulés dans ce moment très important, qui jouent aussi un rôle très important de notre façon à pouvoir sécréter l'insuline et être sensible à l'insuline. Et évidemment, il y a toutes les toxines, comme on a vu tout à l'heure.
Avoir dit tout ça, l'insuline est quand même hyper importante. Il ne faut pas en avoir trop, mais ni trop peu non plus, parce que l'insuline est un modulateur de l'expression de gènes très important qui influence le métabolisme du glucose, donc les glucides, la mobilisation de la synthèse des lipides, donc en fait aussi la capacité de pouvoir utiliser des lipides comme une source d'énergie, le fonctionnement des mitochondries, comme on a vu tout à l'heure, la mobilisation des cytokines, parce que l'insuline, s'il y en a trop, c'est un hormone pro-inflammatoire. S'il y a trop de l'insuline, c'est un état inflammatoire pour le corps. Donc, c'est pour ça que l'insuline joue un rôle très important dans la réponse inflammatoire et aussi la réponse au stress oxydatif. Et dernièrement, si le métabolisme des glandes surrénales et des hormones reproductives sont très liés à l'insuline. S'il y a une résistance à l'insuline, on a souvent une perturbation dans la sécrétion de cortisol et l'aromatase, qui est très important quand on parle des problèmes hormonaux, surtout pour les femmes, de syndrome prémenstruel ou infertilité, ou même les cancers hormonodépendants. Donc, trop de l'insuline modifie l'expression de plusieurs gènes, même si donc il faut en avoir ni trop peu, ni trop. Et donc la résistance à l'insuline aussi dont on a parlé, pour faire court, c'est un phénomène où le glucose n'arrive plus à entrer dans la cellule. Comme on voit dans cette image, il y a l'insuline qui essaie d'amener le glucose dans la cellule. La cellule dit non, 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 j'en ai trop ou je ne peux pas le prendre. Ça peut être à cause d'un dysfonctionnement mitochondrial ou à cause de l'inflammation, à cause de stress oxydatif. Mais en tout cas, l'insuline n'arrive pas à amener le glucose là où il faut être. Parce que s'il n'y a pas de glucose dans la cellule ou dans les mitochondries, on n'arrive pas à l'utiliser comme une source d'énergie. Et la résistance à l'insuline, ça va diminuer la bêta-oxydation. Donc en fait, la capacité d'utiliser des acides gras, des lipides, comme une source d'énergie. Il y a aussi la diminution de la gluconéogénèse. Souvent, il y a une carence et l'épuisement des métabolites pour le cycle de Krebs. Donc souvent, c'est les carences des acides aminés, ou ça peut être une carence soit des protéines, on ne les mange pas assez, ou les protéines ne sont pas bien digérées. Donc on n'a pas les acides aminés qu'on avait besoin pour faire tourner ce cycle de Krebs. Et comme j'ai dit au début, la résistance à l'insuline peut nous amener dans la situation où l'organisme commence à utiliser des muscles et la masse musculaire pour produire l'énergie et les remplacer par des lipides. Donc là, on utilise les protéines comme une source d'énergie, mais ce n'est pas très bénéfique parce que les muscles ont plus de mitochondries. Donc plus qu'on a les muscles, plus on a les mitochondries, plus on peut utiliser des sucres et des lipides comme une source d'énergie, on peut produire l'énergie. Le moins qu'on a les muscles, le plus on est fatigué. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter à utiliser les muscles pour produire l'énergie. Évidemment, la résistance à l'insuline va nous amener vers les taux élevés de l'insuline et de glycémie. Et c'est un déclenchement du syndrome métabolique, du diabète, toutes les maladies qu'on a vues tout à l'heure. Pour finir, un mot-clé, la flexibilité métabolique. Donc en fait, ça c'est pour vous dire que même si les mitochondries peuvent utiliser aussi des acides gras comme une source d'énergie, ça ne veut pas dire qu'on devrait avoir un régime cétogénique ou qu'on devrait avoir un régime qu'avec les glucides, mais c'est la capacité de mitochondries et dans le meilleur des cas, les mitochondries sont flexibles et ils peuvent utiliser ces deux, donc les glucides et des lipides, un petit peu comme une voiture hybride. Et c'est ça qui est vraiment un mot-clé dans les pays anglo-saxons. On parle beaucoup de la flexibilité métabolique, donc la capacité des mitochondries à se switcher entre le glucide et les lipides. Évidemment, après avoir mangé, les mitochondries devraient utiliser les glucides. Et une fois que tous les stockages ont été utilisés, quand on fait le jeûne intermittent ou le jeûne nocturne, on switch et on commence à utiliser des lipides. Et ça, c'est flexible. Et c'est comme ça que les mitochondries devraient pouvoir fonctionner.
Et en revanche, cette inflexibilité métabolique, c'est un marqueur vraiment central dans la pathologie des maladies chroniques et occidentales. Pourquoi on le perd, cette flexibilité? C'est toutes les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure, toutes les mêmes choses qui rendent nos mitochondries dysfonctionnelles. Donc, c'est le stress oxydatif, trop de calories, hyperglycémie, hyperinsulinémie qui nous amène vers le glycotoxicité et l'hypotoxicité, et comme les toxines environnementales et les toxines pharmaceutiques. Il y a beaucoup de médicaments qui sont maintenant connus parce qu'ils rendent les mitochondries un petit peu plus faibles, métaboliquement parlant, et qui en fait qui diminuent leur capacité à produire l'énergie. Après, il y a évidemment les différences en micronutriments et les faiblesses génétiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse éloigner de la résistance à l'insuline et avoir une insuline qui est plus sensible? Une terme de clé, c'est la flexibilité métabolique. Et en fait, c'est un terme très utilisé dans les pays anglo-saxons maintenant, qui explique que, contrairement, tu sais, ce qu'on entend souvent, qu'il faudrait faire un régime cétogénique ou il faudrait faire un régime peu glucidique ou ci ou ça, en fait, la clé, c'est de rendre les mitochondries flexibles. Ce qui veut dire que les mitochondries, pour qu'elles puissent être le plus efficaces, elles devraient pouvoir utiliser des lipides et les glucides, tous les deux, comme une source d'énergie dans une façon équilibrée. Un petit peu comme une voiture hybride qui utilise l'électricité et le pétrole dans une manière équilibrée. Donc en fait, l'idée, c'est que les mitochondries utilisent des glucides, donc glucose, comme une source d'énergie après avoir mangé pour vider les stocks qu'on a, les peu de stocks qu'on a, les 500 grammes dans le foie et entre 100 et 300 dans les muscles. Et quand on s'éloigne des repas, quand on fait les jeûnes intermittents ou jeûnes nocturnes, il y a un switch dans le métabolisme, dans l'utilisation d'énergie, et les mitochondries commencent à utiliser des lipides. Donc, c'est cette flexibilité qui nous rend les mitochondries plus efficaces, plus saines, et qui nous s'éloigne de cette condition liée à la résistance à l'insuline. Et contrairement, l'inflexibilité métabolique, c'est l'incapacité de switcher entre les glucides et lipides comme une source d'énergie. Et c'est maintenant connu que c'est vraiment un marqueur central dans les pathologies des maladies chroniques et occidentales. Et pourquoi on le perd? Pourquoi on perd cette flexibilité? C'est un petit peu les mêmes choses qu'on a répétées déjà quelques fois. Donc, c'est le stress oxydatif, trop de calories, trop de glucides, trop de fructose avec la vie sédentaire qui nous amène vers l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline, qui nous amène aussi vers la glycotoxicité et l'hypotoxicité qui augmentent le stress oxydatif et qui peuvent déclencher l'inflammation. Et dans l'autre côté, il y a toutes les toxines environnementales et pharmaceutiques qui, on connaît, qui peuvent affaiblir la capacité de la production d'énergie par les mitochondries. Et évidemment, il y a les carences en micronutriments. On sait qu'il y a beaucoup de carences en magnésium, beaucoup de carences en vitamine B, entre autres. Et il y a les faiblesses génétiques qu'on va regarder bien en détail dans la partie 2. Pour finir à cette partie 1, la première partie, je veux vous introduire un terme anglais. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français, ou je ne trouvais pas une traduction qui me plaisait en français. On parle beaucoup de thrifty genes. Et ça veut dire que, en fait, notre génome, il y a beaucoup de gènes qui gèrent du métabolisme et des lipides et sucres, qui n'ont pas fait pour ce moment qu'on vit maintenant, avec cette abondance de la nourriture à chaque moment, mais par contre, ils sont faits pour qu'on puisse vivre la famine. Donc, ces gènes-là, qu'on va regarder en détail dans la partie 2,
Ils augmentent notre capacité à stocker la nourriture en lipides, en acides gras saturés, en cas d'excès, afin qu'on puisse vivre la famine, qu'ils puissent être utilisés comme une source d'énergie s'il y a une famine. Et en fait, c'est ça qui nous donne cette, aussi cette situation où on a l'obésité, on a la résistance à l'insuline qu'on voit dans cette image. Il y a trop de la nourriture, il y a les gènes qui ne travaillent pas pour nous pour ce moment-là. On ne bouge pas assez comme on bougeait à l'époque quand on était les chercheurs et chasseuses et on vivait dans les cavernes. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup des scientifiques qui disent que en fait, toute cette pandémique, l'obésité et le syndrome métabolique, c'est pas seulement notre faute à nous, c'est un petit peu la faute à nos gènes qui ne sont pas programmés pour ce moment-là. Mais heureusement, on a plein de choses qu'on peut faire et tout ça, on va regarder dans la partie 2. Bienvenue dans la partie 2 où on va regarder les gènes clés du métabolisme en détail. Donc, voici la liste des gènes du métabolisme des lipides et sucres présents dans le test de Nordic GenX et le test de base. On va commencer par LPL, lipoprotéine lipase, qui est une enzyme clé qui hydrolyse les particules riches en triglycérides en acides gras libres et glycérol. Donc, en fait, elle joue cette enzyme codée par le gène qui porte le même nom, LPL, joue un rôle très important dans la conversion des VLDL en LDL, ce qu'on voit dans cette image-là. Et son activité est très liée dans la fluctuation des triglycérides et les taux de HDL. Donc, il y a l'allèle T qui est protecteur et en fait, ça nous protège. D'avoir les HDL un petit peu plus élevés et ça nous aide dans la libération des lipides pour qu'elles puissent être utilisées dans la production d'énergie. Donc en fait, ça aussi, dans le même temps, quand on voit dans cette image, ça nous évite d'accumulation des plaques artérielles. Donc c'est très protecteur quand on a l'allèle T présent. Donc il y a aussi un effet positif sur le cholestérol et la tension artérielle. Les marqueurs biologiques sont le cholestérol total, triglycérides, LDL, HDL. Souvent, si on n'a pas la protection de LPL, si on n'a pas le allèle T, on a tendance à voir des taux de HDL un petit peu bas. Ce qu'on peut faire en alimentation, c'est augmenter les oméga-3, les sources des oméga-3, des fibres alimentaires, les antioxydants polyvalents, surtout les antioxydants comme le pycnogénol, acide ellagique. Qui est présent dans le fruit de grenade. Et évidemment, dans le même temps, la consommation des glucides rapides et les acides gras saturés devraient être baissés. CETP, qui est la protéine de transfert des esters de cholestérol, fonctionne très proche avec LPL. Comme on voit dans cette image, il y a CETP là, LPL là. Les deux jouent un rôle très important dans la façon que des lipides peuvent être métabolisés et utilisés comme une source d'énergie. Et comment on peut avoir les taux équilibrés de HDL et LDL. L'allèle G est défectueuse et avec cette allèle-là, on a aussi une tendance de voir les taux de HDL un petit peu bas. Et surtout, si on a un bon peroxydase 1, un autre gène qui existe dans le test complémentaire des métabolismes des lipides et sucres chez Nordic Genex. Avec le PON1 défectueuse, ça peut aussi augmenter le taux des LDL oxydés. En fait, on voit ici les LDL oxydés. On ne voit pas le PON1, mais il joue un rôle très important ici. Et le PON1 qui peut aussi, c'est très lié à la méthylation, et ça peut aussi, si il est défectueux, ça peut aussi augmenter le taux de homocystéine, qui est aussi un marqueur très important pour les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, LPL, CETP, ils jouent un rôle très important dans le risque des maladies cardiovasculaires, dans les taux de cholestérol, le métabolisme du cholestérol, mais aussi dans la capacité de libérer
des lipides pour qu'ils puissent être utilisés comme une source d'énergie par les mitochondries. Les mêmes conseils nutritionnels, donc les oméga 3, l'huile d'olive est très efficace. Il y a beaucoup d'études qui montrent que l'huile d'olive arrive à augmenter les taux de HDL, même si le CETP est défectueux. Également, des fibres alimentaires, les stérols végétaux, antioxydants polyvalents, et la même chose qu'avec le LPL, la consommation d'acides gras saturés, d'alcool et aussi des glucides devrait être baissée. Le prochain gène, il s'appelle PPARQ-C1A, qui est un gène de clé. C'est un gène dont on a parlé un petit peu dans la partie 1, parce que c'est un gène maître qui gère plusieurs gènes dans le métabolisme des lipides et sucres et dans l'inflammation, comme LPL, comme on a vu tout à l'heure, APOA1, APOA2, FTO, APOE, NF-kappa-B. Il y a plein de gènes qui sont un petit peu comme un effet domino, qui sont déclenchés après l'activation de PPARQ. Donc, il contrôle vraiment le métabolisme des lipides et sucres. Et il est abondant dans les tissus adipeux bruns, donc le tissu adipeux qui est métaboliquement actif, donc il y a beaucoup de mitochondries, et également dans les muscles, dans le cœur et dans la muqueuse des intestins. Ce gène augmente ce switch métabolique dont on a aussi parlé dans la partie 1 vers la bêta-oxydation. Donc en fait, la capacité d'utiliser aussi des acides gras, donc les lipides, comme une source d'énergie. Il va aussi activer la phosphorylation oxydative, la protection antioxydant. Donc en fait, il va activer les gènes qui gèrent la production des antioxydants. Et il va aussi contrôler les cascades inflammatoires. Donc, c'est un gène vraiment important. L'allèle défectueuse est T. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans les variations hétéro ou homozygote défectueux, c'est que c'est les gens qui se fatiguent assez facilement après les efforts physiques ou mentaux. On voit beaucoup de ce gène ou les variations défectueuses avec les gens qui souffrent de la fatigue chronique. Ce gène est en revanche activé par l'exercice, le jeûne intermittent ou nocturne, ou même le jeûne un petit peu plus long, ou la famine, donc la diminution des calories, l'exposition au froid, T3, donc un bon fonctionnement de thyroïde est très important, adiponectine, oxyde nitrique, SIRT1, qui est un des sirtuines très important, aussi lié à longévité et à bien-être. Holistique, si on peut dire ça, un pectinase et aussi l'endommagement des mitochondries. Donc en fait, pour que ce gène soit actif, on a besoin d'un petit peu de ce stress hormétique, un petit peu d'exposition au froid, un petit peu à chaud, diminution des calories, un petit peu de jeûne, peut-être un petit peu plus long. Il faut essayer de déclencher de l'autophagie qui va aussi activer ce gène. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en revanche, son activité est baissée par toujours la même chose, trop de calories, trop d'acides gras saturés, trop de glucides, surtout raffinés, et du fructose. C'est un sujet pour un autre webinaire, mais fructose est vraiment compliqué parce que ça va fatiguer les mitochondries. On a besoin d'énergie pour faire... pour métaboliser le fructose. PPARQ-C1A va aussi être désactivé par les cytokines inflammatoires, par des pro-oxydants, par l'inactivité et la vie sédentaire et le vieillissement prématuré au niveau cellulaire. Là, c'est un schéma qui montre l'importance de la micronutrition. On va regarder les micronutriments à la fin de cette partie, mais là, pour vous donner une idée, l'acide alpha-lipoïque, berbérine et L-carnitine sont très importants pour activer PPARQ-C1A et aussi pour vraiment activer la capacité des mitochondries à utiliser des sucres et des lipides comme une source d'énergie. L'acide alpha-lipoïque est un antioxydant très très important au niveau mitochondries. Berbérine, ça va baisser la glycémie qui va aussi activer la bêta-oxydation, activer ce gène. Berbérine va aussi aider s'il y a les infections au niveau des intestins. L-carnitine est un transporteur qui amène les acides gras
aux mitochondries pour qu'ils puissent être réutilisés comme une source d'énergie, donc très important. Et après, il y a curcumine, resvératrol, théosilbène, les polyphénols de thé vert et quercétine, qui sont les antioxydants polyvalents très puissants qui peuvent activer plusieurs gènes, donc c'est les adaptogènes épigénétiques. Et dans le même temps, ils vont protéger les mitochondries en face de ce stress oxydatif, ces prooxydants que l'on a vu dans la partie 1. Et ces micronutriments vont aussi activer un pectinase et certains qui vont activer PPARQ, donc très important, dans les muscles, dans le cerveau, dans le foie, les tissus adipeux et dans les intestins, qui va augmenter le biogénèse des mitochondries, qui augmente la production d'ATP, donc l'énergie, l'oxydation des glucides, ça nous donne l'endurance, ça nous aide avec la perte du poids et ça nous donne la longévité. Et dans cette partie-là, la dernière flèche, c'est PPARQ qui active les autres gènes comme une cascade qui va nous aider dans notre chemin vers le bien-être et la longévité. Après, prochaine scène, ADRB2, qui régule l'utilisation de l'énergie ainsi que le métabolisme et surtout la mobilisation des réserves, donc les lipides, pendant l'effort. Il contrôle la sensibilité à l'adrénaline, en fait, c'est un récepteur de l'adrénaline, parce qu'il régule le récepteur, donc en fait, il régule notre sensibilité à l'adrénaline. Il est lié au rythme cardiaque et la taille des bronchioles et le transport de l'oxygène. Donc c'est un gène qui est lié au problème au syndrome métabolique ainsi que la santé cardiovasculaire et respiratoire. C'est vraiment dans le côté sport, c'est un gène qui est beaucoup étudié parce que ça peut augmenter le VO2 max. Donc la capacité de respiratoire et la capacité de aérobique et surtout la capacité d'endurance. Donc l'activation de ce gène est très bénéfique pour la mobilisation des réserves, surtout pendant l'effort. Et si on a une variation qui n'est pas tellement active, donc c'est dans les deux cas, c'est la variation GG qui est homozygote. Ça peut nous rendre, ça peut rendre la perte du poids et la gestion du poids compliquée, même si on fait d'efforts. Parce que en fait, ce gène n'arrive pas à amener les lipides qui sont stockés pour qu'ils puissent être utilisés comme une source d'énergie. Donc, on a plus tendance de stocker que l'utiliser. Et quand ils sont stockés, on n'arrive pas à les utiliser. Donc, avec évidemment le sport et l'activité physique est toujours très important, mais avec ça, surtout pour les variations néfastes, c'est très important de diminuer l'apport en calories et surtout diminuer l'apport en glucides et dans les acides gras saturés, surtout dans les glucides. L'activation chronique, en revanche, peut diminuer la flexibilité métabolique. Et parce que ça peut augmenter le stress oxydatif. Ça commence à être un moteur qui produit beaucoup de fume. Donc l'activation chronique n'est pas bénéfique non plus. Et ça peut être supprimé avec les bêta-bloqueurs, le métoprolol, qui diminue le risque de diabète et cardiomyopathie. Donc ça, c'est un médicament utilisé pour la suppression de cette activation chronique de ADRP2. Et en fait, dans le test de Nordic Genex, il y a deux RS qui sont connus. Le premier est dans le test de base, santé et hormones. Et la deuxième est dans le test de sport, parce que ça, c'est encore plus recadré du point de vue de l'endurance, l'utilisation d'énergie, donc en fait la capacité de faire des sports d'endurance et la capacité à augmenter le VO2 max, la capacité aérobique. Quand on a la variation néfaste dans ces deux gènes, le bon côté, c'est qu'on a un organisme qui peut être fonctionnel avec peu d'énergie. Donc en fait, mais c'est aussi les gens qui mangent souvent un petit peu moins, qui sont obligés de manger un petit peu moins, parce que s'ils mangent un petit peu plus, surtout les glucides, ils ont tendance de stocker.
plutôt que l'utiliser. Prochainement, TCF7L2, c'est un gène qui est abondant dans le pancréas, dans les silos de l'enhérence et dans le foie et dans le tissu adipeux, comme on voit dans cette image. Ce gène est très, très lié à risque augmenté de diabète type 2 parce que, en fait, il y a un défaut ou une déficience dans la sécrétion de l'insuline dans les cellules bêta, dans les pancréas. Donc, ce qu'on voit ici, on a un moins de l'insuline, la sécrétion de l'insuline est un petit peu perturbée, on est moins sensible de l'insuline et ça peut nous amener à la résistance à l'insuline. Si on continue surtout si on a beaucoup de glucides et les acides gras saturés dans l'alimentation. Ce gène a aussi des effets anti-athérosclérotiques et anti-inflammatoires. On voit ici, ce gène aussi fonctionne ensemble avec LPL. Donc, ça peut aussi augmenter les triglycérides, baisser les HDL. Donc, s'il y a vraiment, c'est dans le. Ça fonctionne, ça gère le métabolisme des glucides, mais aussi des lipides. Et c'est pour ça que ce gène est lié dans. Où ça peut augmenter le risque de syndrome métabolique, mais aussi c'est lié dans la santé cardiovasculaire. L'ALT est défectueux, donc c'est celui-là qui peut augmenter le risque de syndrome métabolique, et surtout s'il y a trop de calories, trop de glucides dans l'alimentation, qui vont aussi être stockés en acide gras. Et aussi à cause de cette perturbation dans la sécrétion de l'insuline, on a souvent une sensation de satiété qui vient un petit peu tardivement, qui est un petit peu perturbée. Donc, ça peut donner une tendance de manger un petit peu trop à la fois. Et on sent la satiété avec un régime riche en acides gras saturés ou des glucides, ce qui n'est pas souhaité, bien évidemment. Donc, aussi, la façon de manger un petit peu en tranquillité, bien respirer, bien mâcher, c'est très important pour les variations de ce gène. En micronutrition, c'est ce qui est important. Acide alpha-lipoïque, chrome, inositol, cannelle et curcuma. Prochainement, MTNR1B, qui est le récepteur de mélatonine. Et ce gène est présent dans le cerveau et dans les cellules bêta, comme on voit dans cette image, donc dans le pancréas et dans le cerveau. On connaît que les taux élevés de la mélatonine sont liés à la diminution de sécrétion de l'insuline, ainsi que la tolérance au glucose. Donc, ça peut nous amener en hyperglycémie. Et l'allèle G de ce gène est lié à dysfonctionnement précoce des cellules bêta. Donc, on peut avoir la sécrétion de l'insuline qui est un petit peu moins efficace, un petit peu moins de la sécrétion de l'insuline parce que le récepteur de la mélatonine est activé et on a une tendance d'avoir plus de la signalisation de la mélatonine. Donc en fait, c'est un petit peu perturbé. Plus on a la signalisation de la mélatonine, moins on a la sécrétion de l'insuline. Et surtout, cet allèle G, est lié souvent de la baisse qui est retardée de la mélatonine le matin. Donc, en fait, on voit que même si les personnes n'ont pas pris la mélatonine comme un complément, le matin, il y a toujours les taux élevés de la mélatonine. Donc, c'est pour ça que souvent le petit déjeuner, surtout très tôt le matin, n'est pas conseillé parce qu'il y a toujours beaucoup de la mélatonine, ce qui baisse la sécrétion de l'insuline. Et deuxièmement, à cause de ce déséquilibre de la sécrétion, le soir, le dîner tardif n'est pas conseillé. Évidemment, pour tout le monde, quand il fait noir, quand on commence à produire la mélatonine, ce n'est pas très conseillé de manger, surtout manger pas beaucoup de glucides, mais avec cette variation, encore moins. Le prochain gène s'appelle CLUT2. Il y en a deux dans le test de base de Nordic Genex. C'est le même gène, mais deux locus, deux points un petit peu différents. C'est pour ça qu'il y a deux codérèses.
Fonctionne assez similaire. Les deux gèrent la fluctuation de la glycémie après avoir mangé. La différence étant que le premier reste là, donne un impact plutôt instantané, donc le marqueur biologique le plus efficace, si on peut dire ça, c'est la glycémie à jeun. Et en revanche, le deuxième RS qu'on voit ici, c'est plutôt un petit peu plus long terme, la fluctuation ou l'impact sur la fluctuation en long terme. Et donc, le marqueur biologique le plus efficace, c'est l'hémoglobine cliquée. Mais les deux GLUT2, donc c'est un protéine du transport, il est codé par le gène CSLC2A2. C'est pour ça qu'il y a les deux acronymes qui s'affichent sur le test. Et comme on voit dans cette image, il est abondant dans le lumen, dans l'intestin de grêle, dans le foie, dans le pancréas, dans les reins et dans le cerveau. Ce gène-là est indépendant de l'insuline, mais il est activé seulement après avoir mangé. Donc, il est activé quand le glucose est détecté dans l'humaine, dans les intestins de grêle. Quand on ne mange pas, il ne devrait pas être actif. Il est aussi activé, donc son expression est mieux, ça fonctionne mieux quand les hormones thyroïdiennes et la gréline fonctionnent mieux, sont équilibrées. Et dans le même temps, GLUT2 régule la sensibilité à la leptine. Donc, c'est vraiment un gène qui gère la fluctuation de la glycémie, l'homéostasie de glucose dans plusieurs niveaux. C'est ce qu'on voit dans cette image. Donc, en fait, au niveau des reins, tout d'abord, GLUT2 régule la réabsorption de glucose. Au niveau du foie, il régule la fluctuation de la glycémie, du stockage et l'utilisation. Au niveau des de cellules bêta dans les pancréas, GLUT2 stimule la sécrétion de l'insuline, parce que c'est pour ça qu'il est indépendant de l'insuline, parce que ça va être activé tout de suite quand le glucose est détecté, et c'est le GLUT2 qui active les pancréas ou les cellules bêta pour sécréter l'insuline. Et au niveau du cerveau, il régule du glucose par le système nerveux autonome. Donc, en fait, il aussi laisse le glucose entrer dans les cerveaux. Après, GLUT2 peut transporter aussi fructose, galactose, mannose et glucosamine. Donc, ce n'est pas seulement le glucose. Et ce qu'on voit ici, si le GLUT2 est défectueux, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Après le repas, on a moins de glucose qui était pris par le foie. Ça veut dire que le glycémie peut rester élevé. Et c'est pour ça que ça peut donner la fluctuation, un petit peu perturber la glycémie. Et quand on est à jeun, on peut avoir les sensations de hypoglycémie. Il y a la dégradation de glycogène ainsi que le transport de glucose hors du foie. Donc, on peut avoir cette fluctuation entre hyperglycémie et hypoglycémie qui est un petit peu perturbée. Aussi, après le repas, si le GLUT2 est défectueux, on a la sécrétion de l'insuline qui est un petit peu bas. Et en revanche, à jeun, si le GLUT2 est défectueux, on peut avoir la perte du glucose par les reins. Et on peut avoir dans les marqueurs biologiques le glucosurie, acidose métabolique et l'acide urique, qui sont un petit peu élevés, évidemment. Le prochain gène, c'est FTO, c'est le gène des hommes des cavernes, un gène très très ancien qui est régulé comme plusieurs gènes de métabolisme par le PPARQ C1-1. Et ces gènes impactent à la quantité des lipides corporels selon la consommation d'acides gras saturés. Et son expression altérée, perturbée dans le foie impacte le métabolisme des glucides et lipides, ce qu'on voit dans cette image. En fait, le GLUT2, pardon, le FTO ne devrait pas être exprimé quand il y a beaucoup de glucose et l'insuline dans la circulation sanguine. Ça, c'est quand le FTO fonctionne bien. Le FTO surexprimé quand il y a le glucose et l'insuline présents. Ça nous ramène dans le gluconéogénèse qui augmente le taux de glucose, qui augmente le taux de triglycérides,
et dans le même temps baisse d'oxydation des acides gras, donc la bêta-oxydation, parce que en fait le FTO est régulé par PPARQ. Si le FTO est activé, le PPARQ est diminué. Et c'est surtout le allèle A qui est considéré de l'allèle le risque et qui peut augmenter justement l'accumulation des lipides, donc le risque de prise de poids secondaire est causé par cette accumulation des graisses corporelles qui augmente le risque de type 2 de diabète et le syndrome métabolique. Dans le même temps, FTO impacte la sensation de satiété et c'est surtout lié à la consommation des acides gras saturés et des glucides. Donc, les variations qui est néfaste pour nous maintenant, était considéré très, très protecteur à l'époque, quand on était chasseurs et chasseuses, et on ne pouvait pas manger tous les jours. Donc, ce gène donnait la capacité de manger beaucoup à la fois, et après passer plusieurs jours sans manger. Mais ce n'est pas le cas maintenant, donc ça peut nous rendre en surpoids, parce qu'on peut avoir une tendance de manger un petit peu trop. Surtout, on ne sent pas la satiété avec les acides gras saturés. C'est un bon exemple d'un gène thrifty gene dont on a parlé dans la partie 1. Également, donc, les régimes abondants en lipides augmentent le glucose et les triglycérides. Donc, ça peut vraiment augmenter le risque des syndromes métaboliques. C'est ce qui est efficace pour équilibrer son expression, c'est l'exercice et le jeûne. Souvent, les gens qui ont les variations néfastes dans ce gène sont assez capables de faire les jeûnes intermittents et jeûnes un petit peu plus longs, parce qu'ils ont gardé cette capacité de manger beaucoup à la fois, mais après passer plus longtemps sans manger. Donc ça, il faut pas hésiter de l'essayer. Effectivement, exercice est très important. Exercice, il y a beaucoup d'études qui montrent que même si il y a les gens qui consomment pas mal des acides gras saturés, mais qui font beaucoup d'exercices, beaucoup d'activités physiques, ils n'ont pas les résultats néfastes qu'ils pourraient avoir à cause de cette variation génétique. Effectivement, l'exercice et le jeûne intermittent rendent l'insuline aussi beaucoup plus sensible, donc ça va aider aussi. Dans l'alimentation, le fibre soluble est très efficace, aussi ça donne la sensation de satiété. Et aussi l'apport suffisant des protéines. Parce que souvent, avec les variations néfastes, hétérozygotes ou homozygotes peuvent sentir la satiété mieux avec les repas qui sont abondants en protéines. Donc, un régime paléo, dit paléo, est très bon pour eux. Et en complément alimentaire, la bétaïne diminue l'expression de FTO. Et en fait, c'est au moins en partie grâce à la méthylation, parce que s'il y a une hypométhylation, ça peut suractiver le FTO. Mais quand on régule la méthylation, on méthyle un petit peu plus, on va diminuer l'expression de FTO. Voilà, maintenant on a regardé tous les gènes qui font partie de le test de base de Nordic Genex. Après, il y a le module complémentaire, le test complémentaire des lipides et sucres, qui est très conseillé pour les gens qui ont les problèmes de la fatigue, évidemment, tous les problèmes métaboliques, le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, s'il y a le diabète dans la famille. C'est aussi conseillé pour tous les gens qui souffrent des maladies chroniques, parce que comme on a regardé, les dysfonctionnements mitochondriaux jouent un rôle très important dans toutes ces maladies-là. Et là, vite fait, tous ces gènes qui sont présents dans ce test complémentaire. Donc, ApoA2, ApoA5, donc c'est les apolipoprotéines 2 et 5, qui sont très liés dans le métabolisme de cholestérol. ApoA2, s'il y a une variation néfaste, ça peut baisser le HDL et baisser la satiété. Et là, on dit que même une variation hétérozygote qui est néfaste, on devrait avoir moins que 10% de l'alimentation au quotidien
qui consiste des acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés devraient être assez bas, ou leur consommation. Un peu à 5, c'est plutôt lié au taux des triglycérides qui peut être élevé, aussi le HDL, elle, qui peut être un petit peu bas. Pont 1, donc peroxydase 1, on a un petit peu regardé ça avec le LPL, fonctionne un petit peu ensemble, mais PON1 régule vraiment le métabolisme des lipoprotéines et de l'homocystéine. Si ce gène-là est défectueux, ça peut augmenter les taux des LDL oxydés. Donc c'est aussi ça qui peut augmenter le taux d'homocystéine. Et PON1, quand il fonctionne bien, il a une capacité antioxydante très très forte et surtout une capacité de hydrolyser les substances nocives comme les pesticides, insecticides, entre autres. Donc, quand on a les variations néfastes à PON1, il faudrait être même plus vigilant avec toutes les substances nocives, donc tous les toxiques, les pesticides et insecticides, parce qu'on a peut-être moins de la capacité de les hydrolyser et métaboliser et faire sortir de l'organisme. Après, le PPARC, qui est partie de la même famille que PPARC C1A, qui régule la capacité à utiliser des acides gras saturés comme une source d'énergie. Avec les variations néfastes, il faudrait vraiment avoir un régime plutôt faible en glucides, surtout les glucides raffinés, et l'exercice et l'activité physique est très important pour qu'on puisse utiliser les stockages et pour qu'on puisse utiliser les glucides et les acides gras efficacement comme une source d'énergie. Après, ADIPOQ, c'est un gène qui code la concentration et la sécrétion de adiponectine qui est très, très lié à la flexibilité métabolique dont on a parlé dans la partie 1. Donc, la façon qu'on peut utiliser le glucose comme une source d'énergie et comme les mitochondries peuvent être flexibles dans leur utilisation des glucides et des lipides comme une source d'énergie. Et les variations néfastes donnent une sensibilité à la résistance à l'insuline à cause de ça. Dernièrement, il y a MCNR qui code le récepteur 4 de la mélanocortine qui contrôle l'équilibre énergétique ainsi que l'appétit et la sensation de la satiété. Donc, on est dans la communication de la sensation de satiété et la faim. Et quand c'est perturbé, on peut un petit peu perdre ces sensations-là. Donc, c'est pour ça que les variations néfastes peuvent nous rendre un petit peu plus sensibles d'avoir les problèmes métaboliques comme anorexie ou boulimie, parce que notre corps ne nous signale pas très fort si il a baissé d'énergie ou pas. Voilà. Après, il y a aussi d'autres gènes qui sont très impliqués dans le métabolisme énergétique. Et là, on va les regarder une autre fois. On va faire une autre capsule vraiment où on lit un petit peu les gènes. Évidemment, les gènes de l'inflammation, les gènes de stress oxydatif, mais aussi les gènes comme ApoE, FATS1, PNPA3, CLOC, COMT, qui sont les fonctions, comme on peut dire, un petit peu plus larges et qui ont un impact secondaire dans le métabolisme des lipides et des sucres. Donc, c'est aussi très important de les notifier et quand on regarde un bilan d'une personne. Donc là, on revient dans le big picture. Donc, même si on a regardé maintenant tous les gènes détail et séparément, quand on regarde un bilan d'une personne, il ne faut pas se fixer sur un seul gène ou une seule faiblesse ou une seule variation qui est néfaste, mais plutôt regarder la totalité. Donc, comme là, on voit une personne qui a pas mal de problèmes dans le métabolisme. On est ça tous, et c'est un petit peu à cause de ce terme dont je vous ai introduit à la partie 1, le thrifty genes. Nos gènes ne sont pas faits pour l'abondance, ils sont faits pour les famines.
Donc, il y a pas, on n'est pas facilement flexible dans le métabolisme. Donc, surtout si on mange dans la façon que on peut dire un petit peu américaine, si on peut dire ça. Donc, essayez de regarder le big picture, la totalité et regardez vraiment où est-ce qu'il y a les faiblesses, est-ce qu'il y a les forces, qu'est-ce qu'il y a les faiblesses, et essayez de donner vos conseils nutritionnels et micronutrition pour mieux aider la totalité des gènes. Et évidemment, si vous avez la possibilité de regarder le test complémentaire, ça vous donne encore plus d'idées s'il y a un problème vraiment, si c'est le cholestérol ou peut-être l'oxydation des lipides ou est-ce que c'est le métabolisme des glucides, ça nous donne une idée de quelle sorte de conseils vous allez donner. Et dernièrement, n'oubliez pas, c'est ce qu'on a marqué là, l'interaction de l'inflammation et du stress oxydatif. Comme on a dit, c'est très lié et souvent les problèmes de métabolisme déclenchent ou augmentent le taux de stress oxydatif. Donc là, il faut un petit peu regarder comment ils fonctionnent les gènes qui gèrent la production des antioxydants. S'il y a un problème là, il faudrait peut-être donner les conseils ou les micronutriments qui boostent la capacité antioxydant. Ou s'il y a une sensibilité d'avoir l'inflammation chronique, peut-être il faut aussi aider le métabolisme, évidemment, mais aussi avoir les micronutriments ou les conseils nutritionnels vraiment anti-inflammatoires. Donc, un régime et un mode de vie mito, qui veut dire mitochondrie. Dans la médecine fonctionnelle, on utilise beaucoup de deux sortes de régimes. Et ça, il faut regarder justement un petit peu les gènes, lequel est le mieux ciblé pour chaque personne. Et c'est ce qu'on appelle le régime mito, qui est là le premier, s'approche vraiment un régime cétogénique. Et là, moi personnellement, je l'utiliserais peut-être plutôt comme un séquence, comme un déclencheur, et opter plutôt pour le régime cardio-métabolique, qui est surtout un régime un peu glucidique, peu glucide, et peut-être plus facile à obtenir en long terme, et qui donne moins de risques d'avoir les lipides oxydés, et surtout les LDL oxydés, et surtout s'il y a les faiblesses génétiques. Donc là, s'il y a plusieurs variations dans les gènes LPL, CETP, FATS1, FTO ou les apolipoprotéines, APOE, MON1, optez plutôt pour un régime cardio-métabolique. N'augmentez pas trop de la quantité de lipides dans le régime au quotidien. S'il y a plusieurs problèmes dans le GLUT2, PPARQ, ADRP2, PNPL3, ADIPOQ, MTNR1B, ça peut être plutôt un régime mito. Mito tout le temps ou mito temps en temps pour déclencher et vraiment aider cette flexibilité métabolique au niveau des mitochondries. Et un petit rappel, évidemment, la plupart des glucides devraient venir des légumes, des fruits et pas des céréales et pas vraiment beaucoup des féculents. Donc, même s'il y a 40% des glucides, ça devrait être plutôt un arc-en-ciel dans tous les assiettes. Donc là, vous pouvez lire les clés de l'alimentation, vraiment beaucoup de légumes, des fruits. Toutes les couleurs, cinq couleurs dans son assiette, un arc-en-ciel par jour. Assez de protéines, deux, trois portions de protéines par jour pour être sûr qu'il y a assez de cofacteurs pour les mitochondries et pour aussi garder nos muscles. Parce qu'on a, surtout avec le vieillissement, on a besoin de plus de protéines pour garder notre masse musculaire. L'alcool, c'est compliqué, 2 à 4 verres par semaine.
Dans la prochaine capsule, on va regarder la détoxification et l'alcool peut être compliqué, surtout pour les femmes, s'il y a un problème, s'il y a des problèmes dans la détoxification. Mais c'est un autre sujet. Aussi, comme on a vu pendant toutes ces deux parties des capsules, les toxines environnementaux sont plus en plus problématiques. En fait, il y en a plus en plus et ça rend nos mitochondries moins efficaces. Les moins de toxines possibles. Toutes les pastilles, les perturbateurs endocriniens, les ustensiles de cuisine, produits de beauté, de ménage, tout ça, essaie d'éviter les polluants le plus possible. Et dernièrement, le jeûne intermittent. Il faut le faire intelligemment. Évidemment, quelqu'un qui a surpoids, qui a une forte résistance à l'insuline, on ne va pas essayer des jeûnes intermittents très longs, très rigoureux, mais le faire en petits pas, petit à petit, augmenter les heures de jeûne. On sait maintenant qu'à partir de 17-18 heures, on déclenche un processus qui s'appelle l'autophagie, qui peut être très efficace pour justement rééquilibrer la capacité mitochondriale et rendre efficace pour rendre les mitochondries flexibles. Et la restriction de calories de temps en temps et l'exposition au froid, utilisant cette hormèse froid et chaud pour booster un petit peu les mitochondries et les rendre plus flexibles. Après, par rapport au mode de vie, le sommeil, vous le savez, mais c'est très, très, très important. Il y a plus en plus d'études qui montrent qu'un sommeil perturbé est très, très fortement lié à la résistance à l'insuline. Donc, on dit qu'au moins 7 heures par nuit, mais ça change entre nous tous. Donc, y a ceux qui peuvent vivre moins, mais souvent on a besoin de 7-8 heures. Il y a ceux qui ont besoin plutôt 9-10 heures. Et s'il y a l'inflammation ou stress oxydatif, ou si on a la résistance à l'insuline, on a besoin plus de repos, plus de sommeil. L'activité physique, c'est évident. De préférence 30 minutes par jour, plusieurs jours par semaine ou même tous les jours. Le mélange entre l'activité intense, donc c'est ce qu'on appelle HIIT, exercice et douce. Donc ça, c'est ça qui active aussi la capacité antioxydant et c'est ça qui rend les mitochondries flexibles. On sait que HIIT, cet exercice très intense, court terme, est très efficace pour déclencher cette flexibilité au niveau des mitochondries. Mais la variation étant la clé. Donc, il ne faudrait pas toujours faire la même chose, pas toujours faire le même sport, mais changer un petit peu et faire beaucoup d'activités physiques différentes. C'est encore une question d'hormèse. La télévision, l'activité passive, moins que 2 heures par jour, pas de cigarette et la limitation des polluants et des toxines de toutes sortes, comme on en a vu plusieurs fois. Après, on arrive à la fin. Les compléments alimentaires mytho, il y en a beaucoup et ça dépend évidemment un petit peu de quelle variation génétique on a. Acétyl-L-carnitine, comme on a dit, c'est molécule qui transporte les acides gras vers les mitochondries. Donc, c'est pour le métabolisme des lipides très important. Acide alpha-lipoïque antioxydant qui aide le métabolisme des lipides et sucres. Donc, très, très efficace. Berbérine aussi, très efficace, qui baisse le cholestérol, qui baisse la glycémie, qui aussi aide dans les infections au niveau intestinal. Coenzyme Q10, très efficace aussi pour les mitochondries, pour la production d'énergie. Curcumine, un antioxydant très important, impliqué dans quelques gènes, comme on a vu tout à l'heure. Magnésium, dans tous les cas, dans tous les gènes, dans tout le métabolisme des lipides et sucres, magnésium très important. Oméga 3, très important et surtout
dans les gènes qui gèrent le métabolisme du cholestérol et des lipides, très important, comme un anti-inflammatoire et aussi qui aide à augmenter le taux de HDL. Bétaïne, très très important pour la digestion des protéines, hein, ce côté-là, mais ça va aider la méthylation et pour le FTO, très important. N-acétylcystéine, sulforaphane, souvent conseillé, on est un petit peu entre la protection d'antioxydants et aussi dans la détoxification. S'il y a vraiment, si vous voyez qu'il y a, il y a les faiblesses au niveau de la production des antioxydants ou même la détoxification, c'est de là très très efficace. Quercétine, resvératrol, phtéréostilbène et polyphénol, très très important au niveau des mitochondries pour les protéger de stress oxydatif, des pro-oxydants, comme on a vu tout au début. Là, c'est juste un schéma pour montrer vraiment la capacité d'acide alpha-lipoïque. C'est un des micronutriments clés pour le métabolisme des lipides et sucres. Pour finir, les marqueurs biologiques à évaluer. Donc ça, c'est les marqueurs très connus, assez faciles à avoir comme une prescription. Le cholestérol, acide urique, les ratios de cholestérol total HDL, triglycérides HDL, glucose, insuline à jeun, hémoglobine cliquée et HOMA IRE. Et là, il y a les marqueurs un petit peu plus peut-être pointus pour les ADN endommagés, lipides et sucres endommagés et protéines endommagées. Ça, c'est un extrait du rapport de l'analyse santé de Nordic Genex qui regarde ces marqueurs-là vraiment du point de vue de la médecine fonctionnelle et du point de vue du fonctionnement optimal du métabolisme des lipides et sucres. C'est pour ça que vous voyez que les valeurs optimales sont un petit peu plus serrées que dans les bilans normaux qu'on peut avoir dans les labos français. Ça aussi, c'est un extrait du rapport d'analyse santé de Nordic Genex qui regarde ces ratios très importants et les indicateurs hyper importants pour savoir si on est en train d'approcher de la résistance à l'insuline. Donc ça, ces ratios-là sont très importants d'évaluer chaque fois avec chaque personne. Pour finir, pourquoi tout cela nous intéresse? On a commencé par les mitochondries, on va finir par les mitochondries. Donc, le fonctionnement optimal des mitochondries, c'est primordial. C'est, comme je vous ai dit, l'espérance de vie est maintenant estimée de détruire la capacité des mitochondries. Donc, on est pour l'instant, c'est 120 ans que les mitochondries peuvent nous donner à produire l'énergie. Donc, quand les mitochondries fonctionnent optimalement, il y a moins de stress oxydatif, moins de tissu adipeux, donc moins de lipides corporels. La détérioration liée au vieillissement. Donc, on sait que vieillissement, c'est le facteur le plus connu de toutes les maladies occidentales. Donc, quand on a la détérioration liée au vieillissement, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et évidemment, le risque diminué aux maladies occidentales. Et en fait, tout ce qui va améliorer, c'est les fonctions métaboliques, le taux d'énergie, la performance, l'endurance, la capacité aérobique, la capacité VO2, l'espérance de vie et la masse musculaire. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut vraiment optimiser le métabolisme des lipides et sucres et l'utilisation des lipides et sucres par les mitochondries et optimiser le fonctionnement de mitochondries. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donne de nouvelles perspectives sur la santé préventive. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de Génie Santé afin de recevoir nos prochaines capsules vidéo sur épigénétique et des invitations à nos webinaires thématiques. À très bientôt sur genesante.com.